Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour le troisième épisode de la saison. On a actuellement disputé 6 matchs avec 5 victoires et un nul et un seul but encaissé pour 14 buts marqués. Donc on est plutôt bien en ce début de saison. On va tenter de continuer sur cette voie face à Clermont qui vient d'être relégué. Angers qui est relégué aussi. J'ai un doute. Angers qui est relégué aussi. Et enfin, face à Dunkerque qui vient de monter. Donc on va jouer contre trois clubs qui n'étaient pas dans notre division l'année dernière et on va voir ce que ça donne du coup. C'est parti. On se rappelle de notre seul affrontement face à Clermont. En finale de barrage il y a 2 ans. Et on les avait battus. Alors on part comme ça. Hitler est un peu blessé. On a trouvé une assise défensive beaucoup plus solide, dirais-je. On en est très content. Un but en 6 matchs, faut que ça continue comme ça, bien sûr. Et pas mal de supporters aujourd'hui. Est-ce que c'est dû au fait que ce soit Clermont? Ou au fait qu'on soit bien placé au championnat? Je ne sais pas. Allez, il faut réussir à remonter le terrain. Voilà, c'est pas mal. Ah, la frappe. Non cadrée. Ils ont eu un blessé dès la 4e minute. Allez, il faut continuer de pousser. Pour espérer ouvrir le score. Le but de Scott. Et du coup, on ouvre le score, ça y est. Pour cette occasion, un peu chanceuse quand même, il faut le reconnaître. Allez, il faut continuer comme ça, on est bien pour le moment. Dire de pas se relâcher. Chose qui nous a coûté beaucoup de points l'an passé. C'est une occasion. Gaëtan qui remonte sur son côté. Passe en retrait. Ah, dommage. Corner pour nous. Franc maintenant, franc complètement raté. Peut-être l'heure de faire les changements. Ferrer va rentrer sur le terrain à la place de Servino qui fera un très très bon match. On va sortir le jeune. Et pour le moment, on va rester là-dessus. Les corners une nouvelle fois. Ah, dommage. Nouveau corner. Avec une contre-attaque. Pour Clermont. Contre-attaque complètement ratée. On a reperdu la balle. Ah, on la récupère. Scott. Monzon. Ferrer. Et ça fait 2-0. Pour les sangliers. On domine ce match. On va faire les autres emplacements. Dos Santos, on va le sortir avant qu'il soit épuisé comme d'hab. Sally, on va le mettre à la place de Manzon. On va rester comme ça pour le moment. Nancy qui ne gagne pas pour le moment contre Bordeaux. Allez, c'est parti. Nouvelle occasion peut-être. Scott qui perd la balle. Et du coup, occasion qui profite à Clermont. Mais qui ne donnera rien.
Ferrer qui va pouvoir reprendre sa place de titulaire, je pense, 3 buts en 2 matchs. Enfin, il tombe dommage, c'est pas loin. L'autre qui perd la balle. Nouveau corner. Ah non, c'est une touche. Phaéton. Pour la touche, à qui va-t-il la passer? Saï. Oh, décidément, beaucoup d'occasions, mais c'est pas beaucoup rentré. Hein. Et c'est pas parce que le gardien a fait un bon match. Hein. C'est nous qui avons été plutôt malchanceux sur ce match. Mais on s'impose 2-0. C'est largement suffisant. On est très content. Zone qui a fait un bon match. Alors non. On va être les joueurs au repos. On va avoir une petite semaine de vacances en plus. Je me suis dit que c'était un... qu'il fallait essayer d'en mettre. Dans la saison, je crois que j'ai 3 périodes où il y a au moins 5 jours de repos pour les joueurs. Pour en permettre de récupérer. Du coup, maintenant, on va se déplacer à Angers. FC Malgache. Bizarre. C'est un club fondé par des Malgaches, justement. Là, on sait que c'est un long chargement, premier tour de coupe de France. On va attendre que ça passe, mais pour le moment, nous, on est bien cette saison. Au vu de comment on était la saison dernière, les changements ont l'air d'avoir fait du bien. On a une bonne assise défensive, un bon goal. Et on se dirige vers Angers. Mais contre Angers, ce ne sera pas lui titulaire servi. Non. On va remettre Ferrer titulaire. Et... encore des matchs de Coupe de France, certainement, je ne sais pas, c'est un peu long. Après, ça va repartir. Ah, c'est bon, on va passer le lundi, ça devrait être mieux. Arvino, j'espère qu'on finisse en première partie de tableau. Bon, on est un leader solide. On a perdu 2 points contre Bastia. Bon, après, c'était un match plutôt équilibré. Le jeune a 2 jours. Enfin, on a 8 jours de repos, je crois, quand même. Conférence de presse. Alors. Hop. Bien sûr qu'on pense avoir nos chances. Hein. Heureusement. Enfin, on sait qu'on finira pas la saison invaincu. Forcément, on va rater des matchs, mais bon, tant que ça se passe bien, on profite. Alumbo, 31 ans, approche doucement de sa fin de carrière. L'objectif caché cette saison, c'est une promotion directe, hein, caché.
l'objectif personnel, parce que c'est pas celui du comité directeur, mais je veux pas revivre des barrages. C'est trop aléatoire. Ça s'est joué à une erreur défensive la saison dernière. Il a coûté sa place à Urbain. Et on en est bien content vu comment ça se passe maintenant. Et à Hilton aussi. Ça semble avoir été deux bons remplacements. Alors, on va juste mettre Ferrer. On va emmener Litzler. Ça sert à rien d'emmener deux milieux défensifs. Et c'est parti. Allez, on montre. On est bon cette saison. On mérite notre place en haut du classement. Bonne zone blessée directement. On va déjà le remplacer. On va essayer d'attendre un petit peu quand même. Ah, il nous a fait une transversale. Ah, il veut sortir. Eh ben, faisons-le sortir. On a bien fait de mettre Litzler, du coup. Sur le banc. Et c'est dommage de perdre une option comme ça dès le début du match. On domine bien niveau possession. Enfin, ça veut pas assurer une victoire hein, contre Ajaccio. Je crois qu'on avait 35% de possession. On a gagné 4-0. Et quand le match est serré, c'est toujours bien d'avoir la balle. La faute de Rab et le raté de Ferrer. Mais sérieux, ils vont blesser tous nos milieux offensifs droits. En une mi-temps, même pas, on a fait sortir nos deux milieux offensifs droits. A plus vraiment de solution de ce côté-là. Allez, on y croit. On a dominé pas mal la première mi-temps. Juste réussir à marquer. Faut récupérer le ballon. Oula, ça a failli nous coûter cher cette action. Là, est-ce que c'est l'équipe qui fait pas un très bon match? Peut-être, hein, un peu de fatigue qui commence à se faire ressentir. Donc, Servino va rentrer à la place de Ferrer. Bonnet à la place de Sissoko. Et Camara à la place de Dos Santos. Et on y croit. On n'a plus de changement par contre. Hein. On remonte proprement le ballon. Bon, ça, c'est pas très propre. On va demander un peu plus sur les dernières minutes. Est-ce que ça suffira à emporter la décision? Servino, coup franc direct. C'était indirect et c'était bien tenté. Mais ça n'a pas suffi. Et du coup, c'est un match nul contre Angers. Ouais, on n'a pas de réussite, mais on prend pas de but. J'espère que c'est pas une grave blessure. 8 jours et 2 semaines. C'est raisonnable. Là, on a une semaine de repos déjà. Ça va faire du bien aux joueurs. Main de zone 5 à 12 jours.
Et Klinsmann, il a pris qu'un seul but pour le moment. Un but en plus sur corner. Et hop, c'est parti. Au repos tout le monde. Essayez de bien recharger avant d'aller affronter Dunkerque. De recevoir Dunkerque même. On prend quand même pas mal de cartons encore. Beaucoup moins que quand on n'avait pas réduit ça, où on prenait limite 3-4 cartons par match. Allez, on y croit. Pour le moment, de toute façon, au classement, on est pas mal. Hein. Angers étant relégué, avoir fait match nul là-bas, c'est pas catastrophique. Bastia, c'est peut-être un peu moins reluisant, dirons-nous. Mais encore, je crois qu'ils sont vus quand même bien classés, Bastia, non? Ouais, ils sont vus terminant 6e. C'est pas une catastrophe non plus, sauf que c'était à domicile, si je dis pas de bêtises. Encore 16 jours. Il y avait une grosse pause hein, quand même. On a une semaine de repos, une semaine sans match, puis la semaine avec le match. D'ailleurs, en parlant de ça, recrutement, on sait un peu trop. Quoique, 121K. Hein. Donc en vrai, on verra bien. On peut peut-être enlever la recherche de gardien. On n'a plus besoin de gardien. On semble avoir trouvé ce qu'il nous fallait. Hop, ça, on n'en veut plus. Je dis pas de bêtises, voilà, ils sont plus au repos. Il leur restait un jour. On va leur donner. Hop. On va repartir à l'entraînement. Une semaine et demie d'entraînement pour préparer le match face à Dunkerque. Avec entre autres des matchs de Coupe de France pendant cette pause. Là, en finance, ça y est, on est enfin bon. On a réussi à restabiliser de ce côté-là. On va pouvoir gagner peut-être des points un petit peu là-dedans. On n'est pas très bien. Encore des matchs de Coupe de France en ce lundi 26 septembre. Et dire que à cette date on aurait dû pouvoir jouer à FM25. Au moins, il reste quand même pas mal de temps. On verra ce qu'il en est quand il sortira. Mais j'espère qu'avec un jeu qui sera valable 5-6 mois, il va sortir beaucoup beaucoup moins cher. Mais j'ai des doutes là-dessus. On verra bien ce qu'il en est.
Kamara blessé 3 semaines. C'est pas fou ça. C'est vraiment pas fou. Payton s'est blessé aussi. Alors ça est donc blessé. On mettrait pas Monsieur Vernet en équipe première. On va l'autoriser. On va avoir besoin de pallier son absence. Ça y est, on a une semaine du match. Bonne zone qui continue à progresser. On a plein de joueurs qui s'entraînent bien. Ça, c'est cool. Palumbo qui est bon encore. Hein. On va voir à quelle vitesse il va régresser comme Issouf Sissoko. Les deux sont plutôt bons, mais ils commencent à avoir un certain âge. Worsdorfer. Hop. On a perdu combien? 299 000. On arrive à perdre à peu près cet argent-là. On doit pouvoir finir la saison pas loin de zéro, mais peut-être au-dessus plutôt qu'en dessous. Là, tout le monde est très content. Là, c'est normal, si on se relégue, ils ne peuvent pas nous conserver, puisqu'il n'y a pas de national chargé. Mais si on se fait reléguer alors qu'on est premier au mois d'octobre, ce sera vraiment une catastrophe. Hein. Et le match face à Dunkerque qui approche. Offre de nouveaux contrats. Bien sûr qu'on va accepter. Alors, tout le monde aura 35% quand on monte. Moi aussi, je le veux. On a signé un nouveau contrat de 4 ans. Bien entendu qu'on est ravis. Peut-être ça peut s'améliorer encore. Petit match face à Dunkerque qui s'approche doucement mais sûrement. Et c'est bien cette prolongation de contrat. On est lié jusqu'en 2037 du coup. Ah, c'est ça, jusqu'en 2037. 9%, ça remonte vite la gestion financière, c'est cool. Alors, c'est vrai que c'est un peu le problème qu'on a avec Sedan. Alors, c'est pas encore prêt. On aime bien Guillaume Girard. Je ne sais pas trop qui c'est, mais oh non. Ferrar qui se reblesse pour une longue période. Heureusement qu'on a Servino quand même. Il aurait pu se relancer en plus face à Dunkerque, je pense.
On est bien comme ça. Servino. Ouais, en attaque. Et du coup, Vernet qui va faire son apparition dans le groupe pour la première fois. Alors, ce que ça donne. Comment ça, Scott est mécontent du rôle qu'on lui a assigné? C'est le rôle qu'il a depuis qu'il est arrivé au club, quoi. Bizarre qu'il en râle maintenant. Et on encourage l'équipe. On est à domicile. Et là, on doit avoir un peu moins de spectateurs, du coup. Ouais, 4899. On n'est pas loin des 5000, mais bon. Servino, dommage. J'aimerais bien qu'on marque vite. On va se pas comme le match précédent, où au final, on n'a même pas réussi à marquer. Placement. Monzon. Beaucoup franc. Et ça ne suffit pas. Courage. Mon écran a eu un petit bug. Essayer de réparer ça. Heureusement que ça se voit pas pour vous. Hop, voilà, c'est de retour. Allez. De retour pour qu'on puisse fêter un but. Scott. Ah, Scott, non. Faut les mettre ces frappes-là. Worsdorfer. Servino qui était là à la retombée du ballon. Heureusement, j'ai cru qu'on marquerait jamais ce but. Hein. C'est notre premier tir cadré seulement. Worsdorfer qui double la mise. Va faire un peu comme face à je ne sais plus quel club, une fois qu'on a trouvé l'ouverture. On a pu s'engouffrer dedans. Allez, on continue. C'est pas mal. Bon, on n'a pas pris de carton en plus. On est vraiment plutôt bien dans ce match. Féliciter l'équipe. Et Vernet qui fait pour le moment un bon match. Hein. Ah, dommage. Ça aurait pu être le troisième. Brest qui bat Clermont. Je pensais que Clermont se battrait un peu plus quand même pour remonter. Pour le moment, c'est pas leur saison. Hein. Les deux relégués. Trop sûr de lui, Monzon. Avec Litzler, c'est pas grave. Amadou Koné à la place de Palumbo. Et du coup, Brest qui est pas si loin, à 5 points. Allez, Dos Santos. On n'a pas de remplaçant pour Dos Santos. Maclouf à la place de Kofi Pencil. Et Amami à la place de Scott. On va voir ce que l'équipe peut faire sur cette fin de match. À féliciter pour les dernières minutes du match. Et encore une fois, un clean sheet. C'est fou comme la saison est plus facile si la défense tient le coup. Alors, première chose, on va mettre les joueurs au repos. Comme ça, on n'oublie pas. Alors, les messages. On a gagné. Dos Santos qui a fait la passe décisive. Ah, une des passes décisives. Alors. Pour le moment, tout se passe bien. C'est incroyable.
Et au classement, du coup, on est toujours leader. On a fait un match nul en plus. Du coup, on a un point d'avance. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'on a toujours pris qu'un seul but en championnat. Le Paris FC, notre nouveau dauphin, du coup, en a pris 3. 2 contre nous, 1 contre Nîmes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la saison. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut!